Les jours de l'examen national de fin d'études primaires, aujourd'hui, plus de 2 millions d'écoliers ont passé ce test à travers la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné à Kisangani par le ministre Tony Mwaba de l'enseignement primaire et secondaire. Déclenchement d'un arrêt de travail par les médecins membres du CINAMED à partir de demain mercredi. La grève prendra 3 jours. Il reproche au gouvernement le non-respect des accords signés depuis août 2021. Pendant ce temps, cette grève divise. Le CIMECO boycotte ce mouvement qu'il qualifie de non motivé. Son secrétaire général salue les dernières nominations au profit des agents publics. Ce syndicat dit être réaliste et responsable. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Hector Cooper, c'est fini. Le gouvernement a résilié son contrat. Un arrangement à l'amiable a été trouvé entre différentes parties pour la résiliation du contrat. Dans ce journal, vous aurez plus de précisions sur une cérémonie de travail qui a eu lieu aujourd'hui. Je vous emmène maintenant sur une route très fréquentée à Kinshasa. La vie a repris au quartier Kaouka, Matongé et Yolo Sud après plusieurs mois de fermeture pour raison des travaux de réhabilitation. La route a été rouverte. Je vous propose de regarder ces images. Fermée à la circulation depuis 2019 pour dégradation totale, l'avenue Bongolo qui relie les communes de Kasavubu et Limété est rouverte à la circulation depuis le soir du samedi 2 juillet 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est le tout premier usager à l'avoir emprunté le samedi dernier de retour du Poule Malebo, où il a remis des résidences aux officiers supérieurs et généraux des FARDC. Par la même occasion, le chef de l'État a inauguré le nouveau pont Bongolo jeté sur la rivière Kalamu. La réhabilitation de ces infrastructures est un vrai soulagement pour les usagers de ces quartiers contraints à un long détour. Je suis moi très impressionné parce que ça fait une belle lurette que ces projets étaient depuis le gouvernement antérieur. Là, nous venons de voir du Vissu comment a été inauguré. Puis, non seulement ce pont, nous voyons, la rue est maintenant éclairée. Donc ici, maintenant, cet endroit est revalorisé grâce aux efforts de son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà pourquoi je dis tout haut que nous devons lui accorder une seconde chance. Seconde chance aux prochaines échéances en 2023. Désormais, on peut partir des communes de Bandalungwa, Ngiringiri et Kasavubu pour déboucher directement à Limété en traversant les quartiers Kaouka et Yolo. D'importants travaux de curage de la rivière Kalamu et les bétonnages de l'avenue Bongolo ont été effectués en plusieurs mois pour rendre cette voie de nouveau accessible. En plus, le nouveau pont Bongolo surélevé facilite la traversée des véhicules contrairement à l'ancien pont détruit. La chaussée fait 1500 mètres et il y a un canal qui part de ce pont, le pont Bongolo, pour déboucher vers le stade du 20 mai. Alors, le long du canal, il est prévu 2 routes qui longent le canal. Et les 2 routes vont déboucher sur l'avenue Victoire. Et à côté du canal, nous avons réservé un espace de jeu, un air de repos. Nous sommes plus que satisfaits de voir le président lui-même venir ici visiter l'avancement des travaux du pont. Et de ce fait, je pense qu'il a lui-même, en tant qu'autorité numéro 1 du pays, inauguré de fait ces ponts. Le parachèvement de l'avenue Elenge Saki débouche sur Mongafula permettra le désenclavement total du centre de la capitale vers l'ouest. La réhabilitation de Bongolo, autrefois symbole de la déliquescence de la voirie de Kinshasa, vient de s'ajouter à d'autres infrastructures routières réhabilitées sous l'ère Tshisekedi dans la capitale congolaise. Yeah.
Ils étaient plus de 2 millions d'élèves finalistes à passer l'examen national de fin d'études primaires à travers le pays. Des candidats repartis dans plus de 8000 centres. Le temps était donné à Kisangani. Tony Mwaba, vous allez l'entendre, souhaite que les résultats reflètent le niveau réel des enfants. Emmanuela Commissaire Mukatu. Alignés devant les salles de classe, ces élèves s'apprêtent à affronter l'examen national des fins d'études primaires. Plus de 2 millions de candidats participent à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP 2022 ce 5 juillet dans toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi de cette épreuve au collège Maele à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. Les candidats seront répartis dans plus de 8000 centres d'examen. Le souhait du ministre est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque finaliste. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à prise de responsabilité dans les faits et gestes qu'ils auront à poser. Chers élèves, je tiens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire, qui sera bientôt sanctionné par le certificat de fin d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. Initialement prévu pour le 23 au 24 juin dernier, l'examen avait été reporté suite à des contraintes liées au transport aérien. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, avait annoncé le réaménagement du calendrier par un communiqué pour rassurer les parents d'élèves, les gestionnaires scolaires des chefs d'établissement scolaire et les élèves. A noter que le gouvernement de la République a exempté tous les élèves de la 6e année primaire du paiement de frais de participation à l'examen national des fins d'études primaires. Cet examen justement a concerné les 26 provinces. On fait le tour du pays avec Eric Kabamba dans ce résumé. L'examen national des fins d'études primaires a toujours été un grand jour pour le finaliste de ces cycles. Cette année, pendant 48 heures à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, plus de 2 millions de candidats vont devoir se mettre à l'épreuve. Dans la province du Tanganyika, près de 12 000 élèves, dont 5 000 filles, étaient tôt le matin devant leurs centres respectifs. Et c'est l'école primaire SNCC qui a été choisie par la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, pour procéder au lancement officiel de cet examen. Elle a également remercié tous les enseignants pour les efforts consentis malgré les conditions difficiles d'encadrement des élèves. Prudence, concentration pour que les lauréats de cette édition sortent dès la province du Olomami. C'est avec ces mots d'encouragement que la gouverneure de cette province, Isabelle Yumba, s'est exprimée devant ces milliers de finalistes et autres autorités de la province pour lancer officiellement l'ENAFEP de cette édition 2022. Après ces mots, la gouverneure a procédé à la distribution des carnets de ses examens. La province du Kwilu est parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats finalistes au cours de cette année. Des 196 centres ont été aménagés pour accueillir 50 000 candidats dans le territoire d'Idiofa et 13 centres pour près de 24 000 finalistes pour le territoire de Massimanimba. La gratuité de l'enseignement primaire a eu des effets positifs dans la province du Kwango. Cette province vient d'enregistrer cette année un chiffre record contrairement aux années précédentes. Plus de 28 000 candidats étaient présents pour cette édition de l'ENAFEP 2022 et répartis à 171 centres. Et c'est le vice-gouverneur de cette province qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves. Comme annoncé, le syndicat national des médecins du Congo va lancer à partir de demain le mouvement de grève. Seules les urgences seront prises en compte dans les hôpitaux publics. Le SINAMED reproche à l'employeur le non-respect des accords conclus depuis août 2021. Ils sont regroupés dans l'Assemblée générale, au Conseil provincial de toute la République, et moi je parle au nom des médecins de Kinshasa, et avons décidé du service minimum. Service minimum qui commence le demain, nous allons nous limiter juste à la prise en charge des urgences. Les urgences uniquement. Et là, les consultations externes sont annulées, tous les cas électifs programmés des cas et des interventions sont annulés, et les malades qui sont hospitalisés
nous allons accélérer leur sortie. Les médecins qui sont dans les CTECO, dans les centres de prise en charge de la COVID-19, vont se conformer également aux dispositions de la grève. La grève étant garantie par notre Constitution de la République, nous invitons tous les médecins membres du SNAMED à observer cette grève comme prévu dans notre règlement de l'intérieur à l'article 7, et les récalcitrants vont subir la rigueur de l'article 69. Le gouvernement de la République qui a signé l'accord avec nous le 3 août 2021 n'a pas honoré ses engagements. Là, nous sommes en budget, à l'exercice budgétaire 2022, mais rien n'est pris en compte. Donc nous pensons que le gouvernement écoutera et continue à échanger avec nous afin que nous puissions, nous tous, travailler pour l'intérêt de la population. Car l'État congolais a le devoir de prendre en charge sa propre population. Nous sommes de cœur avec la population congolaise en général, et particulièrement celle de l'est du pays qui sont en guerre et cette population qui est meurtrie. Chers médecins, seule la lutte libère. Des propos recueillis par Odé Panda. Justement, contre toute attente, le CIMECO rejette le mot d'ordre de grève. Ce syndicat estime que la grève n'est pas motivée. Son secrétaire général a donné les raisons dans une conférence de presse tenue à Kinshasa. Reportage de Fabrice Wanzeng et Djokoli Kosama. Nathalie Bouledi, Thomas Basilwa. Pas de grève non motivée pour les médecins du CIMECO. Ainsi a martelé le secrétaire général de ce syndicat, Dr Mwanda Lenda, dans le point de presse tenu ce mardi 5 juillet 2022 au siège du syndicat. Dr Mwanda Lenda a exprimé la satisfaction de médecins du CIMECO à la publication par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'ordonnance portant nomination des agents de carrière de service public de l'État aux grades et fonctions de médecin général, de médecin chef des cliniques et de médecin résident du ministère de la Santé public, hygiène et prévention. Le secrétaire général du CIMECO a qualifié cet acte d'historique pour la corporation médicale de la RDC. La signature de cette ordonnance participe à la restauration de la dignité, de la sécurité et de la respectabilité de la carrière de médecin. Un des objectifs spécifiques de la création du CIMECO. Au gouvernement de la République de faire œuvre utile en tenant tous ses engagements, tant d'ordre administratif que pécuniaire, pris dans le cadre de l'avenant à l'accord du 3 août 2021, récemment conclu au village Vénus de Libre. À tous les médecins des services de l'État de rester sereins, mobilisés et vigilants, de préserver les acquis de notre combat syndical et de continuer à nous faire confiance pour les résultats attendus. Enfin, le CIMECO réaffirme sa détermination à continuer à être un syndicat éthique, porteur de vraies valeurs qui font la noblesse de la corporation médicale et agissant avec intelligence et responsabilité dans une approche de vérité, de réalisme et d'objectivité. Autre chose, le Conseil supérieur de la magistrature lance une guerre contre la corruption. Le président de la Cour constitutionnelle a pris cet engagement aujourd'hui au cours de l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de l'appareil judiciaire. La justice congolaise présente un visage peu reluisant, a lâché Dieudonné Kamouleta en présence du Premier ministre qui a pris part à cette cérémonie. Patty Tondouango. En présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ils seront au chevet de la justice congolaise du 5 au 13 juillet 2022. C'est la salle Marcel Liao à la Cour des cassations qui reçoit tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, membres de l'Assemblée générale. Sixième du genre, cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature va tabler sur les devenirs du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, en présence des trois présidents du Conseil supérieur de la magistrature, a dans son discours d'ouverture rappelé la volonté du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé dans son discours de lancement des travaux des 100 jours. La justice congolaise présente un visage peu reluisant. Il faut lui administrer une thérapeutique de choc. Et c'est ce qui va être fait au cours de ces assises. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit les termes de ces assignations tels que formulés par le magistrat suprême. Je le cite. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures à
Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, a pris part à cette cérémonie en tant que chef du gouvernement, soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État sur ses volets. Dieudonné Kamouleta a terminé son propos en appelant les uns et les autres à plus d'engagement pour une justice juste. Diplomatie, l'embargo des Nations Unies sur l'achat des armes par la République démocratique du Congo, la Russie a voté contre. Son représentant RDC a exprimé le soutien du Kremlin à Kinshasa au cours d'une séance de travail avec le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Robert Ndaye-Chisense. Toute logique des rencontres et d'échanges que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a initié depuis plusieurs mois avec les partenaires privilégiés de l'accord cadre d'Addis Abeba. Situation sécuritaire à l'est de la RDC oblige les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanqui et Colomba, à échanger ce lundi 4 juillet 2022 avec Victor Toukmakov, chargé d'affaires de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. La résolution 2641 du Conseil de sécurité, prorogée jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embargo des armes à destination de la RDC, l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du M23, des sujets abordés lors des échanges. Comment un pays membre du mécanisme régional de suivi peut servir de base arrière aux mouvements terroristes et agresser la République démocratique du Congo à l'indifférence totale des autres pays membres, s'interroge Victor Toukmakov. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité. En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions irrelatives, la Russie envisage de perspectives de coopération entre les deux nations. Agression dans l'Est, Karine Rossoki, Miss Indépendance, dédie ses prix à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo et plaide auprès du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour un appui logistique au FARDC afin d'en finir avec ce cycle de violence. À toutes les filles de la RDC, particulièrement celles-là qui sont à l'est du pays, qui vivent maintenant un moment très difficile, même pas maintenant, depuis des années, elles vivent des moments difficiles. Je vais leur demander d'être fortes, parce qu'elles sont intelligentes, elles sont capables de faire des choses, c'est le moyen qui leur manque, de rester telles qu'elles sont, je crois, d'un peu de temps, nous aurons la paix dans l'est du pays. Alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement les rebelles du M23 pour déstabiliser l'est de la RDC, sa grâce, Dr Tite Andé Georges, archevêque de l'église anglicane du Congo, a dit au coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanqui, qu'il faut privilégier l'approche diplomatique du dialogue pour sortir de la crise. Pour Dr Tite, ses collègues du Rwanda sont disposés à fumer les calumets de la paix pour que le peuple de deux pays vive dans la quiétude. Processus de paix en Ituri, les communautés Emaelendo appelées à transcender leurs différends au profit de la paix. Appel lancé par le vice-gouverneur de cette province, c'était lors d'une journée de réflexion sur la pacification. On fait le point avec Junior Seliman. L'éducation de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province, sur initiative de la société civile. Chef coutumier, notable des communautés Lendou et Ema, réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordonnateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dédoné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés fument le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables de l'EMA à la vision des comités d'ordre et leur implication dans la démarche de rapprochement de l'EMA et EMA sont obtenus. Les problèmes et les années conflictuelles qui constitue un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale, ABM et l'ENDU sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple ituriens, Ema et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix.
pour bâtir un Ituri meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté itourienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouvernement militaire, le lieutenant général Luboya Nkashoma Djoni. En ces jours, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Dans quelques heures, le trafic va reprendre au poste frontalier de Loufou entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Cette décision intervient près de 2 ans après sa fermeture suite à la pandémie de coronavirus. Justement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement du Congo central pour donner le temps. José Baïtouambo. Un déplacement qui suscite déjà de la joie auprès des vendeurs et acheteurs de marché Loufou, marché situé à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui reçoit ce jour une aide d'honneur à son arrivée à Kasangoulou, est venu procéder au lancement de ce centre de négoces fermé depuis pratiquement 2 ans suite à la pandémie du coronavirus. Je viens à Loufou pour la réouverture de la frontière RDC-Angola. Donc je suis arrivé ici à Matadi. Je vais quand même tenir une réunion de sécurité pour savoir ce que serait l'état de la sécurité de la province, mais aussi le niveau d'exécution des mesures que nous avons dernièrement annoncées au nom du gouvernement par rapport à ce phénomène d'attaque contre des citoyens congolais ou pas à morphologie néotique. Les patrons de la territoriale et toute son équipe ont été reçus par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou Dungidi. La fermeture de cette frontière depuis mars 2020 a pesé en effet lourdement sur les communautés transfrontalières habituées à commercer et voyager. Et les commerçants de ces deux pays attendent avec impatience les retours à la normale au poste transfrontalier de Loufou. 7 milliards de dollars américains pour soutenir les actions de développement en République démocratique du Congo pendant 5 ans. Cette allocation est de la Banque mondiale et puis l'annonce était faite au ministre d'État du budget par le directeur des opérations de la Banque mondiale. Pendant ce temps, Aimé Boji Sangara envisage également de déposer le projet de loi de finances 2023 dans le délai à l'Assemblée nationale. C'est une rencontre ne peut plus importante, présidée ce mardi 5 juillet 2022 par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara Bamanyoué, au profit des services de son portefeuille impliqués dans l'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2023. Les participants, dont le vice-ministre du budget Lisé Bokoumouana Maposo et les responsables de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, ont passé en revue le calendrier des activités relatives à l'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice 2023. Comme avec le projet de loi de 2022 déposé à temps à l'Assemblée nationale, le ministre d'État Boji met bouchée double pour éditer cet exploit. Il a affirmé que depuis début juillet, les grandes activités sont activées. Le cas de la programmation budgétaire 2023-2025 et le processus de fixation des prévisions budgétaires 2022. L'agriculture, la santé, l'éducation passent en priorité selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre registre, c'est la Banque mondiale qui réitère son engagement à appuyer le gouvernement congolais à réaliser ses objectifs de développement de manière différente et efficace. Le FMI, lui, salue l'esprit d'anticipation du ministre d'État Boji. Les deux délégations ont séparément échangé avec l'autorité budgétaire congolaise. Albert Zofak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, annonce déjà une allocation de 7 milliards de dollars américains sur 5 ans, avec un décaissement annuel de 2 milliards et 250 millions autres de dollars d'appui budgétaire, dont le mois d'août est prévu
pour les débuts de décaissement. Le Fonds monétaire international, par Gabriel, son représentant résident en RDC, s'est intéressé aux questions liées à la formulation du projet de loi des finances 2023, la lettre d'orientation et les conférences budgétaires en vue. Il s'est déclaré très satisfait et projette des échanges équilibrés avec le gouvernement de la République. Comment ouvrir la République démocratique du Congo en termes d'assurance à un marché concurrentiel pouvant générer 1 milliard de dollars américains l'année? Un rapport a été présenté par l'autorité de régulation des marchés de contrôle des assurances. C'était au cours d'une conférence de presse, d'une conférence sur la libération du secteur des assurances. Faire un état des lieux du secteur des assurances en République démocratique du Congo, c'est évidemment l'objectif principal de cette conférence. Bertin Mawaka, directeur de cabinet du ministre des Finances, représentant les ministres, a salué le dynamisme observé de l'équipe de l'ARCA pour l'envol du secteur des assurances, mais aussi ses aptitudes managériales. À l'instar des efforts fournis par le ministère des Finances dans la maximisation des recettes fiscales, la même énergie sera consacré dans l'accompagnement de l'ARCA pour améliorer le taux de pénétration des assurances dans notre pays. Au cours de sa brillante intervention, le directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, Alain Kaninda, a rappelé les fondamentaux du secteur des assurances avant d'évoquer quelques innovations apportées par les codes des assurances promulgués en 2015. Au bout de 3 ans d'activité, nous avons aujourd'hui voulu faire ce rapport parce que nous avons une obligation. Le décret qui crée l'ARCA oblige l'ARCA à faire chaque année le rapport sur le marché. Qu'est-ce que ces sociétés-là ont fait comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'elles ont fait comme indemnisation? Quels sont les sinistres qu'on a eu au niveau de notre marché et qui ont rencontré de la part des assureurs une indemnisation, un remboursement? La libéralisation du secteur des assurances en RDC a réellement pris son envol et la réforme est résolument en marche. Des échanges à la Commission électorale nationale indépendante autour de la réussite du processus électoral. Dernier groupe à être reçu, c'est le parti politique Avenir du Congo, ACO, Tétis Samba. Reportage. Cette délégation du parti politique Avenir du Congo, ACO, conduite par le secrétaire général Dr Roger Mwamba, était venue auprès de la centrale électorale pour s'informer sur les préparatifs de l'organisation des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Au sortir de cette rencontre avec le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, à laquelle prenait également part le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, le secrétaire général de l'ACO a noté que les doutes sont levés au regard de la détermination du bureau de la CENI d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. J'ai noté une détermination majeure, nonobstant tout ce qui peut y avoir comme difficulté. Nous sommes aussi agréablement surpris de voir cette disposition de la CENI de s'ouvrir, de communiquer, d'expliquer ce qui se passe. Pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Le processus électoral n'est pas l'affaire de la CENI, c'est un processus qui nous regarde tous. Chaque Congolais qui sait que le résultat des élections peut impacter positivement ou négativement sur sa vie, doit veiller sur le processus électoral. Pour le secrétaire général de l'ACO, parti cher à l'ambassadeur Danny Banza, cette formation politique doit préparer ses militants à être prêts. En ce qui les concerne en tant qu'acteurs politiques, l'ensemble des Congolais, que les élections les concernent au plus haut point. Projet de lancement d'un satellite d'observation terrestre, New Delhi veut accompagner Kinshasa sur ce chemin de recherche technologique. Le sujet était évoqué au cours d'un échange entre le ministre José Mpanda et l'ambassadeur de l'Inde en RDC, Marie Calandre. La RDC est lancée dans un vaste programme de la recherche scientifique à travers le projet d'implantation d'un satellite d'observation de la Terre de la RDC, de développement d'un centre de radiothérapie avec le nucléaire, du renforcement des capacités des chercheurs
chercheurs et autres. Le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques, Maître José Mpanda Kabangu, a pour ce faire sollicité l'expérience des partenaires extérieurs avec l'ambassadeur de l'Inde, Ram Karam Verna. Il était question de mener très haut la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation. Over 80 developed and developing countries. Actuellement, l'Inde a aidé plus de 18 pays développés concernant le lancement de leurs satellites tels que l'Allemagne, l'Israël. L'Inde est prêt parce qu'il dispose des équipements satellitaires très professionnels pour aider le pays ami pour envoyer les satellites dans l'espace. Chaque année, l'Inde a plus de 900 bourses disposées pour aider le membre du ministère qui travaille dans différents ministères de la RDC. Donc pour des formations. Et ces formations couvrent beaucoup de domaines. On a le domaine de la télédétection, développement rural, domaine spatial, la technologie. Juste après, le patron de la recherche scientifique a eu une séance de travail, tout d'abord avec le comité de gestion sortant du CGA, sur les réformes du CGA en entreprise publique et sur l'harmonisation des avantages sociaux. Et cela avant l'exécution de l'ordonnance par le ministre. Il en était question également avec le comité de gestion entrant de l'INERA et les syndicalistes du CRECH. Toujours au ministère de la Recherche scientifique, 9 pick-up, 4-4 dons du gouvernement ont été réceptionnés par le ministre Mpanda en présence des responsables de Congo Motors et du directeur des services généraux du secrétariat général. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE est désormais membre de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est. Son admission au sein de cette structure est intervenue lors de la 14e session annuelle de l'Assemblée générale. L'adhésion de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité à l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est est intervenue vendredi 24 juin 2022, en marge de l'Assemblée générale de l'EREA, tenue à Bujumbura, au Burundi. Le 23 juin, la veille de l'Assemblée générale, Madame Allegri Yantumba, experte chargée de l'administration de l'ARE, a au nom de la directrice générale, Dr Sandrine Ngalulamu-Benga, présenté l'ARE par visioconférence auprès des autres membres de l'EREA. Elle leur a parlé notamment de la réglementation du secteur congolais de l'électricité qui est devenue une réalité et de différentes missions de l'ARE. Three main visions, which are regulation, protection and network access. En tant qu'association multilatérale de régulateurs nationaux de l'énergie des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EREA est un cadre harmonieux au sein duquel les institutions nationales de régulation travaillent ensemble pour promouvoir l'union de l'énergie, à savoir l'harmonisation des cadres réglementaires de l'énergie, le partage d'informations et le renforcement durable des capacités. L'ARE a été retenue comme membre officiel de l'ERA et nous étions en train de préparer l'Assemblée générale qui aura lieu demain. Nous avons pu présenter au comité l'ARE, sa mission, sa vision et ce que nous faisons sur terrain. Au sein de ce forum de régulation de l'énergie de l'EACE, l'ARE travaillera en étroite collaboration avec les autres instances de régulation du secteur de l'énergie de cette organisation dont la RDC est membre grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dans les prochains jours, la route qui mène vers la cité de Nkamba au Congo central sera asphaltée. Les ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux vont travailler sur ce chantier. Ils ont eu des échanges avec des collaborateurs directs du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Emmanuel Commissaire Betty Amani. À son arrivée sur le site de la Terre Sainte du Kimbanguisme, l'équipe des ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux a été reçue par le conseiller direct du chef spirituel André Mbenza Kiangani. D'une oreille attentive, ce dernier a écouté la présentation du travail qui sera fait et qui aboutira à l'aménagement de la route nationale numéro 12 pour accéder à Kamba en partant de Mbanzangungu après un parcours de 600 km, la production d'un master plan pour l'aménagement dans le temps de l'aérodrome existant et l'aménagement des 45 km de la route de la passation avec des raccordements par endroits à la RN12.
Pour ce travail, la CGT a déployé du matériel et du personnel. L'ingénieur Eric Nguilo a conduit ses équipes. Ce que nous allons faire concrètement sur terrain, c'est de préserver le patrimoine que nous a légué Papa Simon Kimbangu, notamment la route de la passion, qui doit être immortalisée à travers les travaux que nous allons faire. Au vu de ces déploiements massifs d'ingénieurs d'études, les responsables des Kamba voient déjà la dimension que revêtira ce lieu dans un futur proche. L'évangéliste Raymond Timba résume ses sentiments. Des choses successivement qui sont en train de nous freiner. C'est la route, le tronçon de Papa Simon Kimbangu, Kamba, Mbanzangongo et l'aéroport. Alors ces deux axes-là, si ça vient de s'achever, le travail vient de terminer en tout cas, il y aura une nouvelle ère pour le kimbanguisme. A noter que ce travail est fruit des derniers passages du chef de l'État où il avait promis d'honorer le martyr de Simon Kimbangu. Vous êtes intéressé par une formation en business, cette annonce vous concerne. Les deux premières classes vont s'ouvrir à Kinshasa à partir du 18 jusqu'au 20 juillet prochain. Des précisions dans ce reportage signé Yvette Makuntima. Il s'agit d'un modèle d'éducation qui trouve sa sève sur l'investissement dans l'homme congolais pour faire de ces derniers une source économique compétitive à l'échelle internationale. Pour les deux premières classes des business school, les centres d'apprentissage AG Éducationnel Service et Futuro Group annoncent la tenue de ces sessions du 18 au 20 juillet 2022. Annonce faite devant les professionnels de la plume et du micro. 18 juillet au 20, donc 18, 19, 20, et ça sera au fleuve Congo. L'objectif en tant que Futuro Group and Ages, c'est d'investir dans l'être humain. La plus grande richesse d'une nation, c'est son capital humain. Le pays doit être assez compétitif. On est en train d'ouvrir nos frontières avec tous les pays, avec le East African Community, SADC, ça s'était déjà fait et autres. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que pays, on a à offrir? Des formations à l'intention des personnalités de plusieurs horizons, organisations publiques et privées, ainsi que de jeunes entrepreneurs. Pour ces modules ici, on est en train vraiment de target, comme on dit en anglais, donc les directrices, les femmes leaders, les députés, ministres et autres. Mais on va commencer juste par 30. Hein. On a pris en considération tout ça, c'est vrai qu'on va commencer. Il n'y a pas que les DG, il n'y a pas que les jeunes entrepreneurs, il y a aussi les ministres, il y a aussi les premiers ministres. C'est pour juste optimiser les talents, les potentiels qu'on a déjà en nous et les ressortir. Parlons des étudiants, des jeunes entrepreneurs, on a un programme de modalités de paiement pour leur faciliter la tâche parce que ce n'est pas moins cher non plus. Des modules avec diverses approches, notamment l'autonomisation de la femme, la politique publique pour administrateurs. Et le troisième module va se tenir à Johannesburg, en Afrique du Sud, au mois d'août. Et puis, cette invitation lancée par l'Intersyndicale nationale du Congo, le bureau de coordination, une invitation lancée à leurs camarades présidents et secrétaires généraux des syndicats de la République démocratique du Congo, cela en prévision de la marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sera organisée incessamment par le monde du travail intersyndicale nationale du Congo. Donc, convie à rehausser de votre présence l'Assemblée générale prévue le jeudi 7 juillet 2022 au Centre pour handicapés sur Owerri à partir de 9h30. Sont concernés par cette invitation les présidents et secrétaires généraux des syndicats de la RDC, les permanents et délégués syndicaux de la fonction publique, les délégués syndicaux des entreprises et établissements de toute nature. Une note de culture dans cette édition d'information, des prix ont été remis aux diplomates et à certains compatriotes pour avoir contribué au développement de la RDC, une cérémonie agrémentée par la rumba congolaise. Christine Lenzo. La 11e édition des prix Présence Congo reconnaît de nouveau les mérites de quelques lauréats du Congo Brazza et du Congo Kinshasa ayant réalisé des œuvres louables dans leur pays ou à l'étranger. Cette distinction honorifique est aussi remise aux non-ressortissants congolais à travers une soirée de gala pour la remise de ces prix de la 11e édition organisée au Musée national de Kinshasa dans la foulée
des festivités de l'indépendance de la RDC. Parmi les lauréats, l'ambassadeur de Suède et celui de l'Italie, quelques diplomates accrédités en RDC, la ministre de l'enseignement professionnel, la radio Okapi et d'autres Congolais. Surtout un sentiment de responsabilité en tant que citoyen congolais et autrefois représentant de la population au sein du Parlement, puisque nous avions saisi l'opportunité qui était offerte lors de la réforme du secteur minier à travers le code minier. Et à cette occasion, avec l'appui de nos collègues députés, nous avons pu introduire dans le code minier une disposition qui impose les citoyens congolais comme actionnaires dans toute société minière. Il y a eu aussi les invités venus du Congo Brazza, le tout sous une note musicale au rythme de la rumba congolaise. Pour rappel, c'est depuis... Le Kenya fait la promesse à la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour un rétablissement de la paix dans sa partie orientale. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a affirmé au ministère des Affaires étrangères. Doris Mozutambwe. La médiation de l'Angola dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda bénéficie du soutien régional. L'ambassadeur du Kenya en RDC, reçu par le secrétaire général aux affaires étrangères, a montré l'intérêt de son pays pour un retour définitif de la paix en République démocratique du Congo. Notre réunion visait juste à assurer le gouvernement de la RDC du soutien du Kenya sur le processus de paix qui est en cours au niveau de la partie est orientale de la RDC. Le Kenya est un partenaire dans le dialogue qui vise la paix. Et nous espérons tous que nous arriverons bientôt à mettre fin aux problèmes qu'il y a à l'Est. Le Kenya est derrière cette réunion. Il s'agit d'un effort régional qui est fait pour voir comment ramener la paix au niveau de la RDC. Le processus de Nairobi résonne. Les groupes armés qui écument la partie orientale de la RDC est piloté par le pays d'Uhuru Kenyatta. Une nouvelle, la ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, adultes, étudiants, missionnaires et mineurs, à partir de l'âge de 6 ans résidant à Kinshasa, excepté les membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants non mariés vivant sous leur toit, qu'elle procédera conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo à l'identification de tous les étrangers de Kinshasa et à la délivrance de la carte de résidence pour étrangers. Pour ce faire, tous les étrangers sont tenus de se présenter dans les 10 jours à dater du 5 juillet 2022 à la commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour étrangers, dont le siège est situé au numéro 76 de l'avenue de la Justice, concession de l'église du Christ au Congo dans la commune de la Gombe. La ville prévient en outre qu'est passible d'une amende équivalent à 50% du montant à quitter en sus du principal, l'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résidence dans le délai requis et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matière de la police des étrangers. Ce communiqué officiel est signé Jantini Ngobilambaka. Restons dans la capitale, lutte contre les déchets plastiques. Une opération de ramassage des récipients en plastique a été organisée par la commissaire générale en charge de l'environnement, Joël Makiela. Kinshasa multiplie des stratégies pour se débarrasser des déchets plastiques, d'où cette marche de ramassage des déchets, bouteilles et tout autre objet en plastique. Itinéraire choisi, la place Bakayaou dans la commune de Bandalungwa jusqu'à Magasin Kintambo. Cette initiative de la commissaire de l'environnement, Laetitia Benakabamba, vise l'adhésion d'un bon nombre de Kinois à l'opération de recyclage des déchets plastiques. Nous avons un projet Momon au plastique que nous lançons la semaine prochaine, qui veut que nous puissions mettre dans toute la ville de Kinshasa, dans toutes les communes, des points relais
éphémères qui vont venir se rajouter à ce que le partenaire CleanPlast a déjà. Le gouvernement provincial compte attirer d'autres investisseurs dans ce secteur. En fin d'année, nous lançons pour la première fois dans l'histoire de la ville la foire internationale du recyclage pour toujours dans la promotion d'économie circulaire où les recycleurs des déchets plastiques vont venir de par le monde entier, venir faire des expositions, la mise surtout en réseau de tous ces acteurs autant locaux qu'internationaux. Outre la question de salubrité, l'hôtel de ville de Kinshasa a-t-on présenté les déchets plastiques comme source de revenus. Et pour terminer, Hector Cooper, fin de l'histoire. Le gouvernement vient de résilier le contrat avec le sélectionneur national des Léopards Football Senior. Un accord a été trouvé à l'amiable. Willy Kandé, Bonheur Mafouana. Résiliation du contrat à l'amiable entre le sélectionneur national Hector Cooper et les Léopards Football Monsieur Senior. Tout s'est déroulé le mardi 5 juillet 2022 entre les deux parties. Le ministre des Sports, Serge Kondé, l'a fait Kofa d'une part et de l'autre part, le sélectionneur Hector Cooper. Le football a des bons moments et des mauvais moments aussi. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. À la fin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis que c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. J'ai voulu aimer que les choses se terminent d'autre manière. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. Les accords sont faits, mais bon, quantité qu'ils disent là, bon, c'est moi, de l'argent, moi, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici, et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments, nous avons tenté, essayé de le faire. Mais merci pour tout. Pour le remplacement du dit staff technique, la FECOFA devra opérer un choix judicieux car le temps roule contre les Léopards Football Monsieur Senior au regard du calendrier des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2024. À bon attendeur, salut! Et voilà, ce journal est terminé. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle l'une des principales informations. Le CINAMED lance à partir de demain un mouvement de grève pour 3 jours. Le mot d'ordre n'est pas respecté par tous les médecins puisque le CIMECO boycotte ce mouvement de grève. Merci de rester avec nous. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baïton. Bon, je reviens demain à 20h. Bonsoir.